Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, gros bonjour, gros bonsoir pour nous tous, comment nous y est? Éclair info entre la caille, nous toujours avec même love là, même sentiment, même amour, même respect pour nous venir servir sous plateau ça. Et c'est toujours une exigence pour nous informer sur ce qui a passé dans le pays. Grâce avec assistance et confrères nous, qui toujours sous place pour lui ramasser information et aider nous traiter au niveau pour nous porter pour un plat qui pour satisfaire. N'a pas entré d'emblée dans point qui a fait actualité pendant la journée 3 mars 2021. M. Fernando Duclair était un ami pour la presse côté étape exigée internationale là avec tout pouvoir en place là puis aussi suspendre prend peuple là pour baba. C'est ça fait comique qui a réglé. Et M. Benel Didier, qui est coordonnateur national adjoint à l'Agence Peuple, membre secteur démocratique et populaire, était prend micro la presse pour le dénoncer et parler et concernant et route que monsieur en place, on a parlé de pouvoir en place la prend, côté que il a dirigé au vers une dictature, côté l'a fait songer, côté l'a remonté dans l'histoire pour faire songer comment était qu'on fonctionnait dictature, était qu'on fonctionnait pour le réveiller peuple là, pour peuple là pas qui t'écoute ça passer. Il y a un autre côté encore dans la journée 3 mars, dans le cadre de bataille pour les femmes, place dans la société. Nous avons une ministre condition femme, Madame Marie-Ghislaine Montpremier, qui a défini vrai rôle femme dans la société et profité tout pour définir rôle ministère lui-même gagné envers mesdames qui connaissent des difficultés dans la communauté haïtienne. Nous allons rester en silence pour nous faire suivre comment ça a dans le micro et directeur nous monsieur Jean Lukens lui. Salut la presse parlée écrite télévisée et m'a salué surtout ça qui est ligne et nous connaît la presse les yeux à zoé population régulier et il y a une grosse mobilisation qui fait dans le pays et n'a remercier tout secteur de la vie nationale là n'a remercier peuple haïtien qui descend dans la rue à manifester et manifestation ça ce manifestation pacifique l'idée et nous-mêmes nous toujours au niveau du secteur démocratique populaire et des organisations de base forte mobilisation les multiformes forte les multisectorielles. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tout secteur qui vous mettez main dans ce qu'a fait là multiforme manifestation qui prend diverses formes pacifiques. Nous avons fait color, nous avons fait manifestation, nous avons fait sitting, bref nous en bataille contre Jovenel Moïse. Mais nous avons un message pour la communauté internationale. Il est clair que pour nous dire que le peuple haïtien a pris sa position. Le peuple haïtien a pris sa position. Il est clair dans la position. Le pays qui dit ses amis Haïti, il faut prendre position de tout. Puis prendre position. Il faut arrêter ce chantage. Il faut arrêter cette farce. Il faut arrêter cette comédie. Puis prendre position. Puis on dit est-ce qu'il y a des dictatures ou bien est-ce qu'il y a des peuples haïtiens. Et je ne veux dire clair que le peuple haïtien prend position. Et c'est pour nous dire ça. C'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays que nous jouons. Un diplomate aussi conspueux de groupe Madame Naline. C'est pour la première fois que nous voyons ça. Et il y a un paradoxe dans ça. Ça qui est belle dans ça, c'est qu'il n'y a pas que Haïti. Je ne veux pas dire, Haïti c'est membre fondateur. C'est le monde qui a créé l'ONU. Haïti c'est un membre fondateur. Mais Haïti tout est tombé l'ONU parce que chaque leur vient là, il casse d'ailleurs. Chaque leur vient là, dans la vérité, pour supporter la dictature. Dans la vérité, pour supporter le vieux monde. Pour supporter vagabonds. Pour supporter le dealer. Puis aussi des kidnappeurs, on a toujours cassé dans Haïti. Et nous-mêmes, nous disons ensemble, Mounsayo, c'est eux-mêmes qui n'ont projet dictatorial là, ensemble avec Jovenel Moïse Octobre Bidibot. C'est ça fait nous-mêmes, au niveau de l'aspect du secteur démocratique là, nous avons encouragé la société à être capable de porter plainte contre Mounsayo, parce que nous disons, après que Mounsayo finit de quitter le pouvoir, eh bien, il faut y aller devant la justice. C'est ça que nous avons encouragé pour porter plainte et nous donnons nous-mêmes au niveau de l'INSPEP. Nous allons porter plainte contre les gens qui nous sont cités là pour l'association de malfaiteurs. Parce que les gens qui ont un seul rôle qui est liquider les affaires courantes pour détendre l'autre gouvernement qui a été remplacé. Et bien, je dis en clair, on va regarder Magali habitants, on ne sont pas balle en plume, qui ne prennent ni tête plume ni mondale. Et bien, c'est lui-même Jodian qui a kidnappé en société. C'est lui-même Jodian qui a nommé comme ministre
comme ministre auprès du Parlement national pour question kidnapping. Eh bien, je dis, nous même au niveau de l'ESPEP et secteur démocratique, là, nous te dis avec la société, là, pour nous sortir de la question insécurité, là, pour nous sortir de la question kidnapping, là, pour nous sortir de la question viol, pour nous sortir de la question massacre qu'a fait sur la société, sur la population, dans le quartier populaire, nous te dis, faut que c'est Jovenel Moïse Tok-Tok de Tibot pour nous retirer côté de l'IA. Et ceci n'a tout passé en passant pour nous capables de regarder au nez d'un coup. Et Renan Idoville. Nous te dit, faut nous pas oublier les Renan Idoville d'avoir le bon job ça, côté que lui-même avec madame. Ce sont des gens qui ont précarité extrême. C'est grand goût qui te pousse. De l'on est c'est grand goût qui pousse à le bon job. Parce que lui-même avec madame, il a bataille pour le même job là. Pas gagné sérieux que la société a été capable d'attendre que l'on ait Renan Idoville qui l'a pas fait. Eh bien, je dis à nous, j'en des gens ça, laissez grand goût, précarité extrême qui mène les gens à le bon job. Eh bien, nous te disons pas gagné que sérieux que nous attendons de gens. Et ça fait nous, même au niveau de l'Alliance pour le secteur démocratique, nous disons, les bras du pays, gens c'est dans la poubelle que nous pas dans le poste côté qui peut prendre des décisions. Qui progrès qui réalisé pendant les dernières années, surtout respecter comment ça est, dans quel point ça est. D'accord, merci beaucoup. Nous faisons plus de progrès. Lutte a commencé, alors, nous t'étendons depuis 1910, 1911, 1909. Mais en Haïti, nous vivons en 1934. Et dans l'époque, ça, si vous ne pouvez pas aller à l'école, c'est le monde qui est vraiment éclairé que vous édifiez l'école et à l'étranger. Donc ça veut dire que si vous devez être la caille, travailler avec maman, c'est les garçons qui vont à l'école. Aze, hein? Donc nous relais, mesdames, ça a été comme ça que mouvement, qui sont ça que mouvement là-bas, qui viennent avec les pionnières. Et c'est dans ça, même dans la bataille, vous faites une première femme qui est journaliste dans le pays. Première femme qui travaille dans le bureau de l'État. Première femme qui est magistrat pour le prince. Première femme, elle est ça, magistrat pour le prince en 1956. D'accord? 56, 54, 56 yo. Comme magistrat. Et non comme député, comme sénateur. Donc, femme yo, c'était infirmière, auxiliaire, professeur à l'école. Et puis c'est tout. Donc, c'est lutte femme là qui fait aujourd'hui, faculté médecine, pour une femme dans celle. Avant 1934, pas de ça. Faculté droit, pas de moi, femme, était gagné un gros débat dans le Parlement. Pour moi, des femmes venir j'ai là, qui m'a pas l'occupé de mon Dieu. Et c'est pas bataille ça, yo, que pionnier, yo, mené, et nous-mêmes, qui vini après, nous adopter travail ça, yo, qui fait, nous ka en dans université, nous ka en dans faculté, côté que, n'a pas apprendre, et vin médecin, vin ingénieur, vin avocat, vin ceci, vin cela. Son bataille, son lutte. Et nous parlons de mouvement femmes haïtiennes au 3 avril. Mouvement est venu tomber à cause de la dictature Duvalier. Donc, ils viennent reprendre les Duvaliers. C'est ça qui fait que nous avons un mouvement 3 avril qui est mouvement femmes haïtiennes. Pour reprendre ça, mesdames, vous êtes exilés, mesdames, vous êtes en prison, vous êtes violés, vous tout. En plus, vous êtes passé dans la question de matériser les femmes qui ont levé. Ensuite, je dis. Nous, en 2021, si vous êtes violent, vous ne pouvez pas comme ça. Mais quand il y a, parce que vous avez dit « j'ai ouais bouche paix » et quand il y a « j'ai ouais bouche parler ». Avec dit que mesdames, vous connaissez que si vous dites ça, pour vos questions. Hein? Ministère conditions femmes avec droits femmes, son ministère qui gagne une mission spécifique. Mission ministère, c'est travail pour l'émergence d'une société égalitaire pour ses composantes des deux sexes. Ministère par là, comme si une femme, toute femme qui a un problème dans le pays, le ministère a campé pour femme qui a passé dans le pays. Non. Ministère, rôle ministère, ministère qui a un rôle normatif et un rôle transversal. Normatif là nous fait loi pour que si yo on fait victime parce que c'est femme liée
Ou gen droit victime, on femme victime, c'est pas parce que c'est femme liée qui veut victime. Mais sous victime parce que c'est femme, c'est ça nous même ministère a réglé. C'est ça que les discriminations. Mais tout le monde dans la société a ka mouri. Ti moun ka mouri, grand moun ka mouri, jeune ka mouri, femme ka mouri, garçon ka mouri. Ça dépend de qui circonstance que moun nan mouri. M pa capable comme ministre tout le monde qui mourit et puis m'a pas le bon d'autre voyer pour tout le monde qui mourit. C'est pas ça mission ministère. D'accord? Maintenant, si c'était dans un cas par exemple, il y a un monde violé ce petit là. Et que après, par la suite de viol là, il mourit parce que ça fait déjà. Laisse ça n'a pas campé sous brésil, non. Parce que nous dit non, violence qu'a fait sous femme. D'accord? Maintenant, si par exemple un jeune garçon là, il y a une fille. Ça, c'est une violence communautaire. Si un garçon qui a boumé pour une fille, il est capable d'une violence communautaire. Il est capable d'une violence sociale. Mais violence qui a fait sous femme, c'est pour garçon ça bat femme parce que c'est femme liée. Il faut nous clair sur ça. C'est ça que les discriminations dans la question femme. D'accord? Maintenant. Ti moun ki te yo te violé nan peyi a nou même moi même grandans te gen 40 41 ou bien 42 ti moun kan 7 grandans avec OPC avec tout autre organisme qui responsable ça avec coordination nou ki nan grandans nou prend dossier ça nou informer et nous traiter les gens nous de traiter. Qui Jean ministère pour traiter un dossier comme ça de petit monde que qui enceinte. Si c'est le ministère. Merci tout le monde qui était d'accord, qui était prêté nous attention, qui t'a fait écouter l'information. Eh bien, nous pas arrêter trop. Quant à moi-même, n'après demain, si Dieu veut, au nom de Jésus, pour une autre information. Restez branchés et surtout, pas oublier. Partagez avec information avec tout le monde qui a gagné contact ou groupe pour faire que le projet ça arrive plus loin. C'était les amis, mon frère, et Éclair Info qui était dans la caillou.